Bonjour, bienvenue sur notre chaîne, je m'appelle Aurélie, voici Chicha. Aujourd'hui, on vous apprendra à faire une jupe patineuse comme celle-ci. Générique ! Alors, première chose à faire, il faut laver le tissu qu'on a acheté. Oui, c'est chiant, oui, ça prend du temps, et oui, vous allez vouloir commencer tout de suite. Mais vraiment, il faut prendre le temps de le laver, de le sécher, pour voir comment le tissu y réagit. Ça va vous faire gagner beaucoup de temps par la suite et vous me remercierez. Donc voilà, premier conseil, on commence la veille du jour où on commence le projet. Et maintenant, c'est votre dernière chance de vous amuser avec vos 3 mètres de tissu et de vous enrouler dedans pendant une heure au lieu de commencer à coudre. Une fois que vous êtes prêt, on démarre. Donc on plie le tissu en deux et on va l'étaler à plat par terre, le plus plat possible. Conseil numéro 2, n'attendez pas le lendemain pour continuer parce que votre chat va décider que c'est le meilleur endroit pour faire la sieste. Donc à ce moment-là, il vous restera plus qu'à le pousser. Allez, oust! Ah, c'est très difficile de virer un chat. Allez, pop, 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 pop! Ah, elle s'accroche. Elle veut pas partir. Allez, va-t'en. Bon, le plus simple, c'est de pas avoir de chat, mais... ça fait mal au cœur de la pousser, mais on est obligé si on veut faire la jupe. Voilà, on est bon pour tout replier. Donc on recommence avec notre tissu de 1, 2, 3, 4, 5 pieds de large. Et en longueur, ça va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 56, 57, 58, 59 pouces. Maintenant, on va prendre un angle de ce carré, n'importe lequel, celui que vous voulez, et on va faire un trait à 12 cm de chaque côté. Sachant quand même, si vous avez des motifs, que cet angle qu'on prend, ce sera le haut de votre jupe. Donc on va faire deux traits qu'on va relier en faisant un joli arrondi. Alors conseil numéro 3, on prend surtout un feutre qui s'efface à l'eau, ou une craie, ou ce que vous voulez qui soit pas permanent. De façon générale, pour tous les traits que vous allez faire. Voilà, donc on fait un joli arrondi à 12 cm du bord, en reliant les deux traits. Alors évidemment, 12 cm, ça va être par rapport à mon tour de taille. Donc je vais vous mettre en description une formule qui vous permettra de calculer la longueur de cet angle en fonction de votre tour de taille à vous. Comme ça, ça sera du sur-mesure. Ensuite, on plie notre carré en triangle en gardant bien le coin qu'on a dessiné sur le haut du triangle. Donc voilà notre triangle. Et là, donc le coin qui est tout seul à droite, ça va être là où on a fait notre arrondi. Ce qui va nous permettre de découper les deux côtés en même temps. Dernière étape avant la découpe, on va tracer le grand arrondi. Donc moi je voulais une jupe qui m'arrive le plus bas possible, c'est-à-dire presque aux chevilles. J'ai pris toute la longueur de tissu qui m'était disponible. Mais si vous voulez une jupe qui vous arrive à mi-mollet ou au genou, il suffit juste de mesurer avec un mètre ruban la longueur que vous voulez et de la reporter sur le tissu avec quelques centimètres de plus pour pouvoir faire l'ourlet. Donc voilà, je fais un grand arc de cercle à main levée, ça suffit, puisque une fois que votre jupe sera sur vous, on verra pas des petites différences de quelques millimètres. Mais si vous voulez quelque chose de parfait, vous pouvez fabriquer un compas avec de la ficelle et un crayon pour faire un bel arrondi. Une fois qu'on a fini de tracer, on va découper toute la longueur du tissu en suivant le tracé de l'arrondi qu'on vient de faire. Et c'est parti, quick, 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 jusqu'à ce qu'on arrive au bout du tissu. Et voilà, maintenant qu'on a fini de découper l'arrondi, on va enlever le bout de tissu qui dépasse et on va s'attaquer au petit coin qu'on avait tracé au tout début. Là, il n'y a pas de mystère, vous avez compris le principe. En gros, on va découper le coin de la même façon en suivant le trait. Et voilà, la préparation est finie, on a déjà fait la moitié du travail. Donc maintenant, on va pouvoir s'attaquer à la couture et coudre ensemble nos 4 triangles que l'on a découpés. Pour ça, on va faire deux par deux, on va aligner endroit contre endroit, c'est-à-dire côté joli du tissu de chaque triangle l'un contre l'autre, et on va épingler les bords d'un côté en faisant bien attention à ce que tout soit bien aligné, et il ne faut pas hésiter à mettre plein d'épingles, surtout au début. Voilà, on fait ça sur toute la longueur et ça va nous permettre ensuite de voir une belle couture bien droite. Alors c'est une étape qui est quand même assez fastidieuse et plutôt longue, surtout qu'on va le refaire 1, 2, 3, 4 fois. Mais c'est vraiment important de le faire bien, parce qu'après, il n'y aura plus qu'à mettre le tissu dans la machine et roule ma poule, ce sera rapide. Voilà, là vous voyez, j'arrive à la fin. Donc on voit bien que mon triangle n'était pas hyper droit, mon arc de cercle, mais c'est pas bien grave, puisqu'à la fin, je recouperai tout à la taille du côté le plus court.
Donc voilà, j'ai mis des épingles tout le long. Moi je les ai espacées puisque j'ai l'habitude, mais n'hésitez vraiment pas à en mettre autant que vous en avez besoin. Et voilà, maintenant que tout est en place, on peut coudre et lancer la machine. C'est parti. Bon ok, je vais pas très vite, mais c'est le début. Non, il vaut mieux vraiment prendre le temps d'y aller lentement. Et c'est pas grave si vous mettez deux fois plus de temps, trois fois, quatre fois plus de temps à faire qu'une professionnelle, parce que l'important, c'est que ce soit droit et que vous n'ayez pas à tout redécoudre pour tout refaire deux fois, trois fois, parce que vous êtes allé trop vite et que vous avez fait des zigzags. Voilà, donc prenez votre temps, même si vous avez l'habitude, prenez votre temps, de toute façon, vous allez accélérer vers la fin. Et voilà, maintenant rien de compliqué, on coud tout droit, du début à la fin, les quatre triangles les uns après les autres. Voilà, donc mon premier triangle est cousu avec le triangle numéro 2. Donc là, une fois que vous avez fini, que vous êtes arrivé jusqu'au bout, vous coupez les fils et vous allez vérifier votre couture avant d'épingler de nouveau le triangle 2 avec le triangle 3, puis le 3 avec le 4. Donc voilà, on a une jolie petite couture toute droite. Après, il faudra repasser pour qu'elle soit vraiment bien nette et bien plaquée. Voilà, on peut enchaîner et se mettre à coudre la suite. Et voilà pour vos beaux yeux, la couture d'un triangle en entier. Accélérez bien sûr, hein, je coupe à cette vitesse. Voilà, donc du début à la fin. Une fois que vous avez fini de coudre vos quatre morceaux ensemble, vous devez avoir déjà un semblant de jupe entier. Et maintenant, on va pouvoir coudre l'élastique dessus, ce qui est la partie la plus compliquée. Alors, pour faire simple, je vous ai donc filmé une fois attaché pour vous montrer dans quel sens enfiler. Alors, vous allez mettre la ceinture élastique avec le froufrou vers le haut et vous enfilez la jupe à l'intérieur pour avoir le haut de la jupe au niveau de l'élastique. Vous devez avoir l'endroit de la jupe, c'est-à-dire la partie jolie de la jupe, à l'extérieur. Et maintenant, vous épinglez le tour comme ici pour répartir la jupe sur l'élastique et les attacher ensemble. Voilà, donc vous avez fait l'assemblage comme ceci. Une fois que vous avez fait le tour, vous pouvez retourner pour voir ce que ça donne. Et l'avantage de cet élastique, c'est qu'avec le froufrou, la finition elle est vraiment nickel une fois qu'on a cousu. Et en plus, l'élastique il sert de ceinture et vice versa, donc du coup ça vous fait une pierre de coup. Maintenant que vous avez tout vérifié, bien épinglé, on va pouvoir mettre sur la machine à coudre. Alors juste avant de coudre, je vais vous montrer exactement, donc voilà, on a bien épinglé vraiment bord à bord. Je vais vous montrer où est-ce qu'il faut coudre. Alors vous allez devoir passer ici au plus près de l'élastique, c'est-à-dire sur les froufrous, mais au plus proche de la ligne. Et l'idée donc c'est d'avoir un élastique assorti au fil, assorti à une couleur de votre tissu. Là, j'ai fait un petit changement de dernière minute, c'est que j'ai cousu un rectangle de tissu de ma jupe sur l'élastique, juste pour des questions esthétiques et surtout pour cacher la couture de mon élastique qui était un peu ratée. Voilà, donc on reprend la couture et comme je vous disais, on va coudre au plus proche de la ligne, sur les froufrous, mais le plus proche de l'élastique. Et là, une fois que vous avez fait le tour, on va retourner la jupe. Et on va coudre, pareil, côté tissu, mais au niveau des froufrous qui sont dessous, donc une ligne bien droite, un tout petit peu décalée du bord, pour faire ce qu'on appelle une surpiqûre, c'est-à-dire bien maintenir l'élastique et le tissu ensemble, que ce soit bien plat et que ce soit un peu plus joli. Et voilà, donc on a une belle couture bien droite, alignée avec l'élastique, qui fait tout le long, et qui nous permet d'avoir quelque chose de très solide, qui ne va pas se détacher. Voilà, donc j'ai fait tout le tour comme ça. Voilà, bon, il y a des parties moins droites que d'autres, mais à une distance raisonnable, ça se verra. Et là, voilà l'autre côté. Donc, on voit des fois, je suis un tout petit peu, vous voyez, éloignée un peu de l'élastique. Donc ça, c'est parce que j'étais pas collée à la ligne, comme je vous disais. Mais la plupart du temps, tout le long, c'est bien droit. Et puis, bon, un écart comme ça, je vous assure que personne ne le verra, voilà.
Donc vous en faites pas, il n'y a pas besoin de tout découdre, mais même si besoin, c'est rattrapable facile. Et maintenant, donc séance d'essayage sur vous ou sur un mannequin si vous avez la chance d'en avoir un. Donc ça va vous permettre juste de voir un peu la longueur, où est-ce que ça arrive et où est-ce que vous allez faire l'ourlet. Donc moi j'ai de la chance parce que j'ai un mannequin qui fait pile ma taille, donc je peux voir et prendre les mesures plus facilement. Donc ça arrive bien jusqu'en bas, donc je vais en gros enlever 2 cm à peu près pour coudre mon ourlet. Et donc l'inspectrice des travaux pas finis a décidé de venir inspecter le travail. Donc petite séance de câlin avec le chat, et puis après on reprend pour coudre notre ourlet. Alors je vous préviens d'avance, l'ourlet c'est la partie la plus longue du monde, surtout si vous avez une jupe qui vous arrive jusqu'au pied, parce que du coup comme c'est un cercle, bien, surtout avec une distance très très longue à parcourir. Donc il faut juste prendre son mal en patience et y aller petit à petit, voilà, morceau par morceau. En gros pour faire un ourlet, donc on va replier juste un petit bout de 1 cm du tissu, on va replier de nouveau, on va bien aplatir et ensuite on va épingler, poser sur la machine et coudre tout droit tout le long. Jusqu'à ce qu'on n'en peut plus, ou que le chat s'endorme. Et voilà, une fois que c'est fait, c'est fini. Et maintenant, résultat ! Tantantantant ! Bonus, l'avantage de faire vos propres vêtements, c'est que vous pouvez assortir votre chat. Fais coucou à la caméra. J'espère vraiment que ce tuto vous a plu. Si vous avez des questions ou besoin de précision, n'hésitez pas à l'écrire en commentaire. Voilà. Bisous. Abonnez-vous. Mon petit chat. T'as vu, on est assortis.